là on est au troisième jour, donc encore une journée demain. Ben, pour nous c'est vraiment les plus hautes qu'on aura mises, je crois. On s'est fait beaucoup de soucis, mais ça a l'air de bien se dérouler. Et le principe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, tout à fait. Donc c'est une technique qu'on utilise dans les refuges, en haute montagne. On a un tapis roulant qui sépare les urines des matières fécales. Et c'est les gens qui actionnent le tapis roulant. Et puis le tapis roulant, il emmène les matières fécales dans des sacs. Et puis on a des petits ventilateurs qui fonctionnent sur des panneaux solaires photovoltaïques qui sèchent les matières fécales. Donc finalement, il y a des matières fécales à redescendre, mais qui sont très légères parce qu'elles sont séchées. Et quel était votre souci à Valo alors? Ben, notre souci, c'était le bâtiment. C'est pas la technique. Encore qu'on a eu un souci technique, c'est qu'il faut pas que les urines congèlent. Donc on a des câbles chauffants sur photovoltaïque. Et puis les urines arrivent dans une petite serre, là où elles sortent, pour qu'elles ne gèlent pas instantanément. Donc la structure métallique du refuge est ancrée dans le granit. Avec 20 points d'ancrage quoi, pour soutenir la charpente métallique. Donc il y avait des scellements non pas chimiques mais à base de style pagel quoi, c'est-à-dire sans rétraction de béton quoi. Voilà. Donc ensuite on a ancré toute la structure au cobra, on peut quand même le dire parce que c'est la première fois qu'on fait marcher un cobra à 4003 et le moteur thermique a bien fonctionné quoi. Ça c'était pour le volume. Ouais. Alors, le vide, il est où maintenant? 6, 6, 5, 6. C'est bon là, c'est peut-être passé. Ouais, celle-là, bien ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté tout ce bâtiment dans la Drôme. On l'a monté en partie, en essayant de limiter au maximum le travail qu'on pouvait avoir en altitude. Par contre, comme le bâtiment est monté en 6 murs, on a laissé des bardages à faire sur place, des bardages qui correspondent aux bacs et qui vont recouvrir les joints de la structure. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, on a monté la structure hier, on est en train de poser les derniers bacs pour fermer complètement la structure au niveau du bardage inox. Ensuite, on va venir amener le toit et on fera la zinguerie du toit une fois que le toit sera posé. Donc, ouais, ce qu'il nous reste à faire, c'est de poser la toiture. Et il faut vraiment le faire cet après-midi, quoi. Putain, avec l'héliportage, on n'a pas eu le temps du tout de manger. On a vraiment graillé, c'était quoi, 17h à peu près, quand on est descendu. Ouais, t'as vu.